Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. 30 mars 2020. Confinement, deuxième semaine. Après une première semaine à avoir usé mon trop-plein d'énergie, en effectuant des tâches de jardinage, de bricolage ou encore de cuisine, mon hyperactivité commence à craindre le manque de travaux à effectuer. Après avoir œuvré à faire le tour de ce qui me tenait à cœur, je me sens à court d'idées et une nouvelle phase arrive dans mon confinement. Mais le confinement, c'est quoi au-delà du fait de rester chez soi? Certes, nous perdons en relations sociales et en mobilité, mais ce n'est pas tout. Le confinement modifie également notre cerveau dans ses routines et dans ses pensées. La période que nous vivons est assez exceptionnelle parce qu'elle nous touche chacun individuellement, tant au niveau matériel qu'intellectuel. Tout d'abord, rétablissons le langage. Nous ne vivons pas une guerre, le coronavirus, ou celui dont on ne prononce pas le nom, faute de l'entendre constamment sur tout support médiatique, n'est pas un ennemi qui suppose ordre et armes pour le combattre. Par contre, pour sûr, nous vivons une crise de notre système qui nécessite des moyens. Le coronavirus n'est qu'un épisode permettant d'observer la défaillance de nos États. Sachant que ce type d'événement risque de se renouveler à l'avenir, mieux vaut connaître les 5 phases psychologiques du confinement que nous risquons de vivre progressivement au cours des semaines à venir. La première, qui est à l'heure actuelle terminée, est la phase de survie. Cette première étape, suivant le contexte, peut se passer bien, ou peut encore susciter violence et hystérie. Nous pouvons qualifier la razzia faite dans les supermarchés comme le premier symptôme à l'annonce du confinement par le président de la République. Les réactions peuvent être différentes, d'un état de panique extrême à une désinvolture absolue. Tous les comportements sont possibles et activent une émotivité primaire autorisant tous les risques. Sur cette première étape, le plus important est de déconnecter son cerveau de l'information. Bien sûr, éteindre toute source de médias et essayer de faire le vide pour faire retomber les réactions émotives qui perturbent la réflexion. Le brouhaha permanent autour de celui dont on ne prononce pas le nom agite nos neurones dans tous les sens, ne permettant pas à la raison de reprendre le dessus. La seconde phase, qui pour moi était la semaine dernière, c'est l'acclimatation, la sécurité. Trouver ses repères dans le changement et dans le confinement. En profiter pour embrasser la période et mettre à profit des idées ou travaux mis de côté par faute de temps. Ce moment est essentiellement centré sur les activités et occupations à apporter pour animer les journées de confinement. Nos passions sont mises en avant, un air de liberté souffle sur nos journées. Faut-il encore avoir l'habitude de la solitude ou le souhait de se relâcher? Attention, cette phase comporte un risque d'isolement. Le numérique ne doit pas prendre la place du temps qui nous est imparti. Par contre, il est conseillé pour tout type de personnes souffrant d'anxiété de participer à des groupes de discussion en ligne pour rompre avec l'ennui et la monotonie. De nombreux signaux post-traumatiques sont à noter chez les personnes ayant subi une période d'isolement supérieure à 10 jours. Aussi, la durée de confinement doit être strictement ajustée aux dangers reconnus de l'épidémie et bien sûr validée par les scientifiques. Dans cette période d'isolement, les personnes les plus en danger sont peut-être les individus seuls. Il faut savoir que la solitude peut avoir des effets néfastes sur la santé. Aujourd'hui, le gène de la solitude est connu et permet d'affirmer que les individus sans attache sont davantage susceptibles d'attraper un rhume, de souffrir de dépression, de développer des troubles cardiaques ou bien encore d'avoir des fonctions cognitives diminuées. Finalement, la solitude cause les mêmes maux que le tabagisme ou bien encore l'obésité. En janvier dernier,
une enquête américaine nous révélait que 79% des membres de la génération Z, c'est-à-dire ceux nés à partir de 1997, 71% de la génération Y, c'est-à-dire ceux nés après 80, et 50% des baby-boomers américains se sentent seuls. Sans même connaître celui dont on ne prononce pas le nom, nous observons une solitude croissante des nouvelles générations et une détérioration dans le même temps de la santé sociale. Ce phénomène doit nous alerter sur l'isolement comportemental dans l'évolution qui pointe forcément du doigt nos manières de vivre. Pour fortement aider à ce qu'un confinement se passe en toute quiétude, le récit gouvernemental est fondamental. Par sa communication, ses actes engagés, le gouvernement envoie une image de sa gestion de la situation qui soit augmente le niveau de stress, soit le diminue. La troisième phase, et non des moindres, est celle de l'appartenance. Le moment où le rythme quotidien s'est certes transformé, mais est maintenant accepté. Bien évidemment, avant d'atteindre cette étape, de nombreuses angoisses peuvent venir perturber ce laps de temps. Je dirais que plus l'on se connaît soi-même, plus ce moment est facile à passer. Une étude effectuée sur un panel de 50 000 personnes habitant de Wuhan lors des événements nous apprend que 35% des répondants révèlent un stress psychologique modéré et pour 5% d'entre eux, un stress sévère. De cette enquête, des recommandations ressortent sur l'attention à prêter sur certaines populations soumises à un stress plus important. Il s'agit des jeunes entre 18 et 30 ans, les personnes âgées, ainsi que les populations migrantes. Il est effectivement plus aisé de passer à l'étape d'appartenance lorsque l'individu est suffisamment structuré grâce à un contexte qui lui permet de l'être tant au niveau moral que matériel. L'insécurité est souvent la pire des conseillères. La quatrième phase est appelée d'importance. Les étapes précédentes nous ont permis d'aborder des changements de comportement assez importants en très peu de temps. La résilience que nous impose le confinement modifie notre perception et donc notre paysage émotionnel. Nos désirs évoluent, notre futur aussi. Sur cette période où nous avons dépassé la vision de notre vie d'avant le confinement, de nouvelles envies fusent, de nouvelles idées. Il est temps de les écouter et d'écouter l'importance de nos changements individuels durant ce confinement. Car l'isolement que nous subissons nous permet de découvrir sereinement ce qui nous habite en dehors du contexte social et économique dans lequel nous évoluons. Pour terminer cette métamorphose, la cinquième étape signera la chute du pic de l'épidémie qui lèvera progressivement le confinement. Les nombreux apprentissages que nous aurons faits sur nous-mêmes, nos proches et le contexte dans lequel nous vivons nous demandera d'accorder nos pensées avec le monde réel de nouveau accessible. Pour prendre un exemple actuel, tous les soirs dans les grandes villes à 20h, des centaines de citoyens se penchent à leur balcon pour soutenir les professions de santé qui sont plus que jamais sollicitées actuellement. Cette prise de conscience d'un système de santé publique en péril chez les individus représente une phase du confinement. Pour être pérennisée, cette opinion devra prendre la forme de manifestations physiques aux côtés des soignants, dans leurs revendications qui ne datent pas d'aujourd'hui, sinon elle est nulle et vaine et n'est que l'illusion d'un changement. Ne nous y trompons pas, de réels changements sont nécessaires au sein de nos sociétés. Le paradigme économique qui l'emporte sur notre santé et notre humanité doit impérativement être corrigé sous peine de revoir des événements similaires se reproduire. Une seule chose, restez chez vous. Peu importe que le taux de mortalité soit supérieur ou non à la grippe, la rapidité de propagation de celui dont on ne prononce pas le nom justifie amplement le besoin de confinement. Même si nous sommes nombreux à peut-être passer à travers, être porteur est un risque majeur pour des personnes fragiles et nous en avons tous autour de nous. Appelez-vous, restez en contact, ne laissez personne s'isoler, ce moment de confinement peut être apprécié comme très mal vécu. Pour terminer, merci à nos personnels soignants qui sont en plein état d'urgence, nous pensons fort à eux et ne les oublierons pas après le confinement. Il est venu le temps de la solidarité. Excellent confinement à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh! C'était un pur
délire, j'ai trouvé ça. Moi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babotines. Green, tu vois? Mais tu vois, le Green, absolument. Green, plus Green.